Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps pas, on a commencé comme ça. Pour les anciens, voilà, c'est des bons souvenirs. Bon les gars, on va voir une petite demoiselle qui donne des conseils. C'est pas mal, je veux vraiment ton avis. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Avant de commencer, je te rappelle que tu as une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en semaine. En gros, c'est une formation comment créer ton business en ligne de A à Z. C'est complètement gratuit. J'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne. J'ai aidé des personnes à être indépendantes financièrement. Ok, rien de nouveau quoi. Hein, mais si tu n'as pas encore pris la formation, pourquoi? C'est gratuit avant de créer l'arnaque. Regarde quand même. When I see a guy that I like, I actually got some new that I've been trying. I'll come up and I'll be like, excuse me, you got somebody to cook for you? And they'll be like, yo, that's crazy. Just like that. Let me tell you why. You can have as many bad as you want to, but how many of them cooking for you? Fellas, ask yourselves right now. Do you have a woman at home cooking for you? Your girl know how to make pot roast? She be making beef ribs for you, babe? Do she even put turkey legs in her collard greens? For real. They make homemade cornbread from scratch? Oh, snap. I ain't talking about that Jiffy box from scratch. She know how to make baked mac and cheese with the crusty top the way you like? Do she? Guess who do? What's up? Chef Boy RP. That's what I'm saying. You deserve better than that. I would never make you eat no devour Hungry Man dinners. Hungry Man dinners is crazy. I wouldn't never Uber Eats for you 3 times out the week. I ain't gonna lie, she got a little bit of money because that's all I was gonna say. Like, god damn. Play smarter. You gotta do what these other ladies ain't doing. You don't gotta have the best body. That's fine. But can you cook? J'avoue, si jamais il y a une meuf qui m'aborde comme ça et qui me dit ouais, excuse-moi, t'as quelqu'un qui cuisine pour toi chez toi? Non, c'est vrai que là je fais ma cuisine tout seul. C'est vrai que là, effectivement. Quoi, bébé? Ah, tu m'as appelé bébé. Ah d'accord. J'avoue, ouais, c'est pas faux. C'est vrai que là, c'est moi qui cuisine. Donc, en même temps, imagine t'as une meuf qui fait pas cuisine, qui cuisine pas. Ah ouais, les filles, comment ça peut être dangereux? Elle donne du game, attention. Parce que imagine, ta meuf, elle cuisine pas chez toi. T'as une meuf comme ça qui arrive. Boum, elle te dit, ouais, moi, attends, ta meuf cuisine pas pour toi. Attends, mais moi, jamais de la vie. Jamais de la vie. Genre, je laisserais mon gars comme ça mourir de faim. Uber Eats. C'est comme, non, jamais, jamais de la vie. Alors, dis-moi ce que t'en penses, parce que franchement, je trouve que c'est pas mal. Alors, par contre, il faut que tu te calmes, chérie. Par contre, il faut que tu te calmes, tu vois. Tu m'as l'air un petit peu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je te cuisine! Ouais, mais bon, calme-toi quand même. Tu vois, hein? Tu m'as l'air un peu agressive. Là, ok, l'intention, je comprends, on est bon. Mais par contre, calme-toi quand même, tu vois. Moi, j'aime plus les femmes un petit peu. Voilà, plus comme ça, tu vois. Que hein, un peu trop ghetto, ouais, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Hein, voilà. Je sais pas si c'est le style de quelqu'un, que quelqu'un se manifeste en commentaire. J'aime les gars, j'aime les meufs ghetto. Mets-moi ça dans le commentaire si c'est ton cas. Moi, c'est le ghetto avant tout. C'est ça qui est ça qui. Tu veux que je te cuisine ou pas? Ouais, pourquoi pas? C'est un autre feeling, faut voir. Donc, du coup, voilà, tu vois. Tellement mettant les meufs, le standard est tellement bas que, genre, une meuf juste qui cuisine, elle met en PLS toutes les meufs. Tu imagines si elle aborde ton gars, si t'es une meuf qui regarde la vidéo. Imagine, elle aborde ton gars. T'es là, ouais, toi, attends, tu crois que je t'aboliche? Tu crois que je suis. Hey, t'as besoin d'une cuisinière? Hein? Tu peux pas te faire à manger? Fais-toi à manger, commande-toi Uber! Hein? J'ai même entendu des trucs. Utilise ta main! Hein? Je suis fatigué! Va voir, utilise ta main si jamais tu veux te. Hein? Voilà. Donc, en fait, c'est pas compliqué maintenant. Il suffit qu'elle va arriver, elle dise. Quoi? Est-ce que ta meuf. Est-ce que même t'as quelqu'un qui cuisine pour toi? Elle n'a pas dit est-ce que ta meuf cuisine. Est-ce que t'as quelqu'un chez toi qui cuisine pour toi? Dans tous les cas, les gagnantes. C'est, si jamais le gars il a une meuf et qu'elle cuisine pas, boum! Elle s'immisce. Et si jamais le gars est célibataire, bon ben voilà. C'est facile, tu vois. Donc, bon, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais moi, ça montre que maintenant le standard est tellement bas que, genre, une meuf qui vient et qui dit juste je fais la cuisine, elle peut mettre en PLS toutes les meufs. Et les meufs, elles comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à avoir le gars qu'elles voudraient avoir. Comme elle a dit, play smart! Hein? Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'ai un ajout à prendre, donc j'ai fait une petite vidéo quand même pour toi avant de partir. Hein? Les gars, on lâche rien. Hein, si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Choisis ton commentaire. Choisis ton commentaire. On va laisser comme ça.